Salut, salut! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. J'ai 40 ans, je suis mariée avec Eric depuis bientôt 5 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les deux derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Hier soir, je me suis cassé une dent. Alors, je vous raconte pas de la douleur, ça a été atroce. Même avec des doliprane, etc., la douleur ne s'est pas apaisée. Résultat, ce matin, en urgence, j'ai dû aller chez le dentiste qui m'a effectivement confirmé que je me suis cassé une dent de sagesse. Et en plus de ça, j'ai un abcès sur cette dent. D'où la douleur absolument atroce. Et croyez-moi, j'ai eu 3 enfants sans péridurale. Je sais ce que c'est la douleur et là, j'ai vraiment eu bien plus mal que lors de mes 3 accouchements. Ça vous donne une idée du degré de douleur que j'ai pu avoir. Résultat, il m'a mis sous antibiotiques pour traiter mon abcès. Et sous antidouleur, du tramadol, qui est très, très, très puissant à éviter normalement. Mais là, la douleur est telle que je ne peux pas faire autrement. Parce qu'en effet, pour celles qui connaissent, malheureusement, les dents de sagesse, les racines se trouvent très proches du nerf qu'il y a dans la mâchoire. Si ce nerf est sectionné, la mâchoire est paralysée. Raconte pas. Résultat, bah, il ne peut pas me l'arracher de suite. Je dois d'abord faire une radio pour voir ce qu'il en est. Si tout va bien, il me l'arrachera. Malheureusement, si les racines sont trop proches, voire touchent le nerf, je devrais aller voir un stomatologue qui puisse me l'enlever. On est content. Résultat, je me trouve avec une dent de sagesse cassée contre un mal de chien. Je suis littéralement shootée au médoc pour éviter que la douleur ne soit trop intense. Je peux vous dire que c'est un petit peu compliqué. À ça, la fatigue avec les enfants, je vous raconte pas, c'est pas la joie. Mais bon, on a quand même profité du beau temps pour aller faire une petite balade. Donc nous sommes partis nous balader sur la digue de Malo. Donc je vous avais déjà montré la digue puisqu'on a déjà fait une vidéo là-dessus. Ça fait partie des lieux que nous préférons sur Dunkerque, donc on y va assez fréquemment. Là, on s'est fait un petit tour tous ensemble. Alors je vous laisse découvrir tout ça, on y va! À tout de suite! C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai apprécié vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram et Facebook, c'est le moment pour le faire. Je serai ravie de vous y retrouver. Je suis sur les réseaux tous les jours, donc n'hésitez pas à me rejoindre, j'en serai ravie. Si vous aussi, vous avez déjà eu des dents de sagesse qui ont cassé ou autre, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre propre expérience. Je serai ravie de la connaître. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.
dans une prochaine vidéo. Bye!